Ah, il y a une mouette, elle veut pas être mouillée là. Il y a des sacrées vagues. Hein? Bonjour à tous. Alors j'essaye de trouver le meilleur angle pour filmer parce que je filme le soir. On va essayer de faire comme ça en espérant que ça bouge pas. Donc nous sommes allés au marché nocturne. Donc je vous ai fait un mini vlog du bord de mer. Hein. Ce soir au bord de mer. Donc on verra bien si je vous le mets avant ou après. Donc nous sommes allés sur le marché nocturne. Donc je vais vous faire voir, j'ai pas acheté grand chose non plus. Sinon chez Leclerc aujourd'hui j'ai acheté un petit porte-clés en forme de cœur accroché sur le sac. Un petit cœur marqué Normandie avec un petit bouton en bois et là une petite boule en bois. Voilà, c'était 3 euros. Et j'adore les mouettes, tout ce qui est mouette, tout ce qui est goéland. J'ai acheté un petit, je crois que c'est un goéland cendré ou c'est une mouette, peut-être une mouette rieuse. Avec un petit, comment ça s'appelle? Enfin, avec le petit truc de température, voilà, avec le petit thermomètre. Donc ça devait être 2,40 euros. Voilà. Donc j'ai acheté ces deux petites choses-là. Ensuite, pour le marché nocturne, premièrement, j'ai pris un étui pour mon téléphone, pour le S7. Voilà, c'était 10 euros. Donc je vais vous l'ouvrir. Alors c'était avec des petits flamants roses et des petits strass. Donc on va l'ouvrir. Donc c'est un étui, hein, tout simplement, comme ceci. J'espère que vous verrez bien. Voilà, hein, c'est tout simple. Hein. Voilà, là vous avez les petits porte-cartes. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ici vous pouvez mettre des petites cartes. Voilà, pour mettre l'emplacement, pour mettre le téléphone. Et c'est aimanté. Et il y avait ce petite chose-là, là, pour protéger l'aimant. Voilà, ça, 10 euros. Avec les petits flamants roses, c'est vraiment la mode. Je l'ai trouvé trop beau. Il y avait soit ça, soit des attrape-rêves. Ou des pochettes un peu plus classiques. Donc ça, 10 euros. Ensuite, j'ai pris des petits bracelets style brésilien, comment ça s'appelle? Des bracelets porte-bonheur. Ça, c'est pour ma fille. Vous en avez un rose avec des petits liserés un peu holographiques. Et vous en avez un autre noir et blanc avec un petit liseré argenté. C'était 3 euros le bracelet. Donc 6 euros les deux. Donc ça, c'est pour ma fille. Je vais lui offrir tout de suite après. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux brassières. Sont généralement, c'est ce qu'on trouve sur les marchés, hein, les marchés classiques, hein, ni plus ni moins. Donc là, ce sont des brassières comme ceci, quand vous avez un petit décolleté. Alors, c'est taille SM. Voilà. Donc, vous avez 80% de polyamide, 10% d'élastane, et ça se présente comme ceci. Je vais le mettre bien à l'endroit. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est blanc,
Tu y arrives avec l'étiquette. C'est blanc avec des petits strass. Donc ça, plutôt de préférence à laver dans un filet à linge. Et dedans, vous avez les espèces de petites coques que vous pouvez enlever ou pas. Voilà, si vous ne les voulez pas, vous les enlevez. Vous voyez, elles sont là. Voilà, ou pourquoi pas recoudre la coque. Mais bon, si elle se déforme. Enfin bref, ça se présente comme ceci. Donc ça, c'était 5 euros la brassière. J'ai pris en blanc. Et j'ai pris en bleu, un bleu vert un peu. Donc pareil, hein, 5 euros. Très très bien, j'ai trouvé ça très bien, j'adore. Quand vous avez un petit décolleté au lieu qu'on voie la marque du soutien-gorge, je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'ai déjà acheté des brassières de cette qualité-ci et franchement rien à dire. Hein. Donc 10 euros les deux. Et ensuite, dernier article, ça c'était assez cher, c'était 35 euros quand même. C'est une veste comme ceci de la marque Giffen. Love and Steel, Giffen Couture. Donc ça, c'était 35 euros. C'est pas marqué, mais c'était 35 euros. Voilà, il y avait en noir ou il y avait en bleu turquoise. Le bleu turquoise était un petit peu moins cher. Donc c'est en taille S. Voilà, S. Et donc c'est une veste avec une petite encolure comme ceci. Qui retombe, ça fait un peu effet velours. Alors elle est comme ceci, si je vous la mets à l'envers ça va pas le faire, elle est comme ceci avec les poches avec des petits strass. Voilà, avec les manches comme ceci. Là, vous avez des petites poches. Là, c'est marqué « J'ai fait une couture ». Voilà, avec des petits strass comme ceci. Des petits strass encore. Là aussi, sur la fermeture éclair. Et le dos est comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous avez des petits cordons pour les... Pour resserrer le gilet tout simplement. Donc je vais le mettre. Donc il est quand même assez chaud hein, pour cet automne. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de me lever. Bon, ça on les voit souvent sur les marchés hein. Mais je trouve que c'est assez joli avec le col comme ça un peu imposant. Ça fait vraiment très très joli. Bon, après vous pouvez rentrer un peu légèrement la petite ficelle hein. Voilà, et si vous avez un peu froid, hop, vous remontez le col. Donc, il n'y avait pas de capuche. J'ai hésité à la prendre et je me suis dit, je vais la prendre. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, c'est simple, on le voit souvent ce modèle-ci. Et en bleu turquoise, il était légèrement moins cher. Mais c'était pas tout à fait, c'était pas la même gamme. C'était pas la même nouveauté, c'était pas la nouveauté. C'était pas tout à fait le même modèle. Voilà, on va y arriver. Eh bien, écoutez, c'en est tout de mon petit haul achat du marché. Hein. J'ai pas acheté grand-chose. La petite étui, voilà, qui est vraiment très très belle. Qui a les petits strass. Ils ont l'air bien collés, bon à voir, hein. Voilà, voilà les petits strass, les petites brassières, ça j'en avais besoin en plus, à force de les laver, elles s'abîment. Les petits bracelets souvenirs, et puis la veste qui n'était quand même pas donnée 35 euros, j'ai trouvé que c'était pas donné du tout, mais bon. Et elle se lave en machine, à 30 degrés. Alors... Voilà, 30 degrés, hein. Pas de séchoir surtout, évidemment. Hein. Et le dos est comme ceci. Voilà. Moi, ce que j'aimais bien, c'est le col qui me faisait un petit peu imposant. Et ben voilà, j'espère que ce mini haul vous aura plu, ainsi que le mini vlog au bord de la mer. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.